Bismillah salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous, chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange appartient au créateur de l'univers, celui-là même qui connaît le caché et l'apparent, que son salut s'assure la meilleure de ses créatures, on va dire la miséricorde universelle, le prophète alayhi salatu wa salam. Bienvenue dans Allons à l'Iftar, je ne suis pas seul, elles sont toujours à ma compagnie, Safet Kouyaté, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abdullah Kimodolo, et salam alaikum wa rahmatullah à tous nos téléspectateurs et internautes. Toujours un plaisir pour moi, en tout cas, d'être là en votre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes le 25 Ramadan, cela dit, le 25e numéro de Allons à l'Iftar. Elle est toujours présente dans l'Iftar, Mariam Sidibé, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdullah Kim, salam alaikum aux téléspectateurs, voilà, de la fréquence et la gloire d'Allah. C'est la reine des échos. C'est cela. En tout cas, aujourd'hui, j'ai des informations très croustillantes pour vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous à tout à l'heure. À tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, cette fête, on parlera d'une thématique essentielle. Il s'agit de Ramadan et de la purification de l'âme. Tout à fait, de la purification de l'âme. C'est cela, notre thématique aujourd'hui. On va dire qu'on développera avec notre invité, l'imam du jour, en tout cas, tous les à côté de cette très belle thématique qui nous concerne tous d'ailleurs. Et notre invité est l'imam de la mosquée à Moubarak d'Aboubanador. Alors, nous allons tout de suite lui demander de nous rejoindre. Et bien évidemment, vous savez, c'est quelqu'un qui est beaucoup, on va dire, attaché à la religion, profondément spirituelle. Et cela accueilli avec la voix d'un jeune homme qui s'appelle Konaté Mohamed, un jeune lecteur que vous admirez tout à l'heure. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ La parole d'Allah, ce mot est véridique. Nous avons donc avec nous l'imam Mohamed Diarra. Imam, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi de porter votre choix sur ma modeste personne, Inch'Allah. D'accord. Alors, on a dit, vous êtes là en tant qu'imam principal de la mosquée Moubarak d'Aboubanador. Oui. On dit également merci à votre communauté qui est venue donc vous soutenir dans cette émission. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir parce qu'on sait que ce soir, avec nos téléspectateurs, on va apprendre beaucoup de choses sur la thématique du jour, à savoir le Ramadan et la purification de l'âme, n'est-ce pas Safi? Tout à fait, en tout cas on a hâte de commencer les échanges avec vous imam, mais on a quelques impératifs également, notamment saveur du Ramadan, j'espère que vous suivez avec attention notre émission. Et non, on moi je n'étais pas sûr qu'il y suit avec attention notre émission, et je suis que même s'il n'a pas eu le temps de les regarder, mais de lundi au mercredi, je suis très bien. Saveur du Ramadan avec nos chefs, chef Natchef Bapa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Safiat. Comment vous allez? On va très bien, alhamdoulilah. Eh bien, le mois s'écoule lentement. Aujourd'hui, nous sommes le 25e jour du mois béni de Ramadan. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, mon petit doigt me dit que vous allez aimer la recette qu'on va faire. Ça va être un peu comme un retour en arrière, un retour en enfance, on va dire. Quoique ce plat-là est fait dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et il revêt différents noms en fonction du pays, de là où on le fait. Nous, on se l'est un petit peu approprié, mais tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se réclament de ce plat-là. Et Chef Bafa va nous en dire plus dans un instant. Inch'Allah. Chef Bafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dites-nous, dites aux téléspectateurs ce qu'on aura à l'Iftar aujourd'hui. Alhamdulillah, aujourd'hui on aura besoin de... Le nom du plat? Dorade. Pas jour de dorade. D'accord. Accompagné de yaloko.
À l'ancienne. Pajot de dorade accompagné de bananes plantain. À l'ancienne. Oui. C'est bien à l'ancienne. Ça. C'est ça. Oui. Ça sera la version de... attention déjà à l'ancienne, banane plantain à l'ancienne. On a hâte de voir ce que ça va donner. Inch'Allah. Ça sera la version de Chef Bafa. Chef Bafa, de quoi on aura besoin pour ce plat? Pour réaliser le plat, on aura besoin de poisson dorade. D'accord. La tomate. La tomate. Le piment. Mm-hmm. Échalotes. Des échalotes. La farine. De la banane. Sans oublier sel, poivre ainsi que huile du Nord. D'accord. Donc on aura indispensablement besoin de l'huile du Nord pour faire frire les bananes. Les bananes. De même que la dorade. La dorade. Alors ça sera quoi la particularité de cette dorade là? Le nom c'est Pajot. Pajot de dorade. Pajot de dorade. Voilà. C'est la première fois que je l'entends. Ça sera quoi la particularité? Au fait, ça sera fait en filet autrement, mais en sous forme d'éventail. D'accord. Voilà. Donc, on aura des filets d'éventail de poissons. Voilà, effectivement. OK. Donc, Abdoul Hakim, Safiat, Mariam, je suis sûre que vous allez aimer ce plat. Et nous, on se dit à tout à l'heure dans la deuxième partie pour la suite du processus. Inch'Allah. Et on n'en doute merci pas. Merci, Nathia. À tout à l'heure, Inch'Allah. À tout à l'heure. Merci infiniment à vous. Eh bien, Abdoul Hakim Odoloué, je vous laisse démarrer nos échanges aujourd'hui avec l'imam. Avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on vient de la République islamique de Ramadan. Tout à fait. Je suis tenté de demander à l'imam qu'est-ce que l'imam s'est préparé ou aime préparer. Alhamdulillah. Je pense que chaque homme passe un moment seul dans sa vie. C'est vrai. Donc, c'est obligé que vous, dans votre temps de célibat, vous apprenez à préparer quelque chose. Tout à fait. En tout cas, moi, il s'est très bien préparé frites au poulet. Ah, super. Alhamdulillah. C'est qu'on sera invité. Hein, Inch'Allah. On espère en tout cas. Déguster avec l'imam. Inch'Allah. 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 En tout cas, c'est super ça. Inch'Allah. Donc, elle a de la chance. Bon, bref. Abdoul Hakim, c'est que tu ne veux pas dire là. Il faut garder. Faut pas je veux dire. C'est mieux, tu as fait. Bon, moi, je ne dis pas. Après l'émission, on va dire. D'accord. Moi aussi, j'ai hâte de savoir parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ignore. Mais Mariam sait. Moi, je sais. En tout cas, je te donne l'information que c'est mon père, en fait. C'est mon géniteur. Maintenant, le reste, il faut laisser. Après l'émission, Inch'Allah. Après l'émission. Bon, en attendant, on va sur le sujet, à savoir le Ramadan, on va dire, mois de purification de l'âme. Alors, justement, imam, comment peut-on définir l'âme? Qu'appelle aussi un nafs en arabe. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalata wa ayyatahu bin nasr wal kawthar wa shafa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici ensemble aujourd'hui. Pour faire des cheminements ensemble dans la spiritualité totale, pour rendre le jeûne ensemble dans votre émission où vraiment je voulais vous féliciter du bien faire vraiment c'est une émission vraiment que j'adore beaucoup. Merci. Alhamdulillah, même si après le plateau on va se voir après Inch'Allah. Inch'Allah. Et je voulais dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis nous et nos fidèles qui nous suivent aujourd'hui pour commencer le mois de Ramadan ensemble, dans la santé et dans la foi. Et il y a des personnes qui ont voulu être avec nous aujourd'hui, mais ils ne sont pas avec nous. Et ils sont dans la vie tombale aujourd'hui. Et nous, vraiment, adressons, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la clémence d'Allah, d'avoir pitié de leur âme. Amen. Et je ne voulais pas commencer l'émission tant que je n'implore pas le pardon d'Allah pour mon père géniteur, qui est cher Issoud Diarra, que je le représente ici aujourd'hui. Avec sa communauté, avec sa famille. Et je voulais vous remercier pour votre choix, c'est notre communauté, et spécialement, vraiment, c'est notre famille, la famille Diarra. Merci à vous. En fait, c'est un plaisir pour nous, parce que le Cheikh Diarra, on a eu des relations particulières. Il a marqué beaucoup de personnes, surtout la jeunesse, par ses enseignements. Ça, pour nous, c'est quelqu'un qui a un symbole, une référence. Vraiment, c'est un monument pour moi, parce que c'est mon géniteur, c'est mon maître, c'est mon cher. Oui. C'est lui qui m'a formé. Tout à fait. Donc j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait de nous. Amen. Là où il est aujourd'hui. Amen. Qu'Allah ait pardon de son âme, Inch'Allah. Amen. Donc pour définir nafs, avant d'arriver là, l'âme, le thème général c'est le Ramadan et purification de l'âme. Tout à fait. Il faut revenir avec la communauté musulmane un peu en arrière pour qu'on puisse savoir même qu'est-ce qu'est l'âme. Avant de définir l'âme, notre l'islamité ou l'islam, qu'est-ce que l'islam nous demande. Allah subhanahu wa ta'ala
a résumé l'islam dans le Saint-Coran à deux dimensions. Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que l'individu musulman, ici et ceux qui nous regardent aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande deux relations pour mener notre vie dans la spiritualité totale. Et ces deux relations-là, nous allons dire ici comme ça, c'est la relation horizontale et relation verticale. Et lorsqu'on dit relation verticale, on parle de notre relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Et c'est en cela, l'âme va se présenter. Et l'âme va traiter notre relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et des relations verticales, c'est le corps qui va se présenter maintenant. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le corps est l'enveloppe de l'âme. Et des relations horizontales, c'est les relations qui se passent entre nous. Lorsque vous regardez le Coran ou lorsque vous regardez l'islam, étant donné que nous sommes des musulmans, l'islam est notre modernité, l'islam est notre manière de réfléchir, et l'islam c'est notre civilisation, nous devons résumer pour dire l'islam nous établit ces deux relations-là pour pouvoir vivre dans la tranquillité sur la terre. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui va fatiguer notre âme, j'ai l'habitude de dire comme ça dans mes interventions, tout excès nuit à l'âme. Donc, selon tout ce qui fait plaisir à notre corps, fatigue notre âme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tant que des croyants, des musulmans, ne va pas nous laisser comme ça, continuer notre vie comme une vie bestiale. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander un mois dans l'année de s'abstenir, de répondre toujours à nos désirs. C'est pourquoi les ulémas vont nous dire, dans la définition du jeûne, ils vont nous dire comme ça, le jeûne, c'est de s'abstenir de boire et de manger, ce que tout le monde connaît ici, c'est de s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des relations intimes avec nos époux et épouses. Et après, quelques minutes avant Fajr, la période de Fajr, et jusqu'au coucher du soleil. Et cela va nous ramener à purifier notre âme. Comment? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de laisser ce qui est licite pour nous, c'est-à-dire ce qui est licite pour nous devient interdit dans la journée du Ramadan. La boisson qui est permise à vous, votre épouse ou votre époux, que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné l'autorisation, et votre nourriture qui est permise à vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous met fin dans la journée du Ramadan, pour vous dire, ne touche pas à ce qui est permis pour vous. Donc, ce qui va nous permettre maintenant de travailler notre âme pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment d'éducation de notre âme. Voilà. Donc, avec le temps, avec l'émission, nous allons plus rentrer dans les détails, Inch'Allah. C'est pourquoi le Ramadan va former des musulmans nouveaux après le mois du Ramadan. D'accord. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Ah, Inch'Allah. Merci déjà pour, on va dire, cette entrée en la matière en ce qui concerne la thématique de ce numéro, ce 25e Alloa Al-Iftar. Il s'agit bien sûr du Ramadan comme on va dire, facteur de purification de notre âme. Avant de poursuivre les échanges avec notre invité, l'imam Mohamed Diarra de la mosquée Moubarak d'Abou Anadon, nous allons demander à la reine des échos de nous donner les news. Et la bonne information, la vraie information du Ramadan, c'est bien sûr dans les échos du Ramadan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous. Ressalamu alaikum et bienvenue dans les échos du Ramadan. Eh bien, en ce mois de Ramadan, les imams s'activent pour permettre aux jeûneurs de faire le plan de spiritualité également en journée à travers des séances de tafsir aux commentaires du noble Coran. Parmi tant d'autres mosquées, on peut citer la mosquée de l'imam Aboubakar Konaté Al-Fatih. Pour la lecture du Coran, dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de mérites. Vous savez que l'islam même repose sur le Coran. C'est à travers le Coran que nous exerçons l'islam. Donc, quand tu fais la lecture du Coran, Dieu te donne beaucoup de mérites. Parce que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan. Et les fidèles ne se privent pas pour venir s'abreuver à la source du savoir. Notons que l'imam Aboubakar Konaté, guide religieux, a détaillé aux participants les bienfaits du verset 7 de la sourate 31, la sourate Luqman. Et les pensionnaires du pôle pénitentiaire d'Abidjan bénéficient du soutien des âmes généreuses au cours de ce mois béni de Ramadan. L'ONG internationale pour la protection et défense des droits de l'homme et du travail
leur a récemment apporté une aide afin de passer l'iftar dans de meilleures conditions. L'imam Bakounadi Ouattara s'est exprimé à notre micro au nom des bénéficiaires. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala après d'avoir prié sur le nom des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions les donateurs, surtout notre frère Michael, vraiment avec tous ces donateurs, vraiment pour ils sont venus nous faire un grand don ce matin pour donner à notre pensionnaire ceux qui sont à l'épreuve en détention. Donc nous leur disons merci beaucoup. L'ONG internationale pour la protection et la défense des droits de l'homme et du travail est une organisation qui œuvre à la prise en charge des veuves et des personnes incarcérées. Rappelons que dans le même élan de solidarité, plusieurs veuves ont également bénéficié de dons pour leur permettre de vivre ce Ramadan sereinement. Et puis nous en arrivons bien sûr à l'information de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Yamoussoukro avec notre correspondant Ibrahim Touré-Major. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم Et pour Ramadan, cette semaine, nous avons trois informations à partager avec vous de la région du Bélier. Ce vendredi 19 Ramadan 1445 Hijri, l'imam celui-ci-là, l'imam principal de la ville de Yamoussoukro, a lancé l'opération Tempête Verte afin de soutenir le groupe média Al-Bayan. Les fidèles de la grande mosquée ont répondu favorablement parce qu'ils savent tous l'importance de ce groupe média pour la communauté. Et 650 000 francs ont été collectés à la grande mosquée en attendant le point complet de notre mosquée parce que l'imam, celui-ci-là, a demandé à ses collègues imams d'en faire autant, de collecter des ressources dans leur mosquée pour soutenir le groupe média Al-Bayan. Deuxièmement, activité des associations. L'AGMCI section Yamoussoukro a organisé une rupture collective et où ses membres se sont mobilisés massivement. Mais cette rupture a été précédée d'une lecture intégrale du Saint-Coran et des bénédictions afin de renforcer la cohésion au sein du groupe. Activité communautaire toujours, le secrétariat régional de l'IMC a organisé la 8e édition de son séminaire régional de formation islamique. Ce sont plus de 400 séminaristes qui ont pris part à cette formation et le séminaire a reçu la visite de l'amir national de l'IMC, Diallo Saliou Mamadou, qui est venu encourager les séminaristes et leur donner des conseils. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont là l'actualité du Ramadan dans la région du Bélier. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci pour l'actualité toute fraîche que vous venez de nous présenter, Ibrahim Touré et Major. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui en ce qui concerne les échos du Ramadan. Prenons rendez-vous, Inch'Allah, pour demain. Allah le voulant. Merci à Mariam Sidibé pour les échos du Ramadan. On a pu faire un tour ici à Abidjan avant de partir pour Yamoussoukro, retrouver tous les bonjours qui nous ont donné les informations communautaires de cette ville. Nous saluons surtout la grande mosquée, toutes les mosquées qui contribuent à aider le groupe média Al-Bayan à travers leurs contributions à l'occasion de cette opération appelée Tempête Verte, en tout cas qui a démarré. Lancement qui a été donc fait par le Cheikh Aïm Ousmane Dakité. On invite en tout cas chacun à donner sa contribution car nous sommes dans le mois qui est très important, où les bonnes œuvres sont valorisées. Alors nous sommes toujours avec notre invité, l'imam Mohamed Diarra, avec qui nous parlons du Ramadan, mois de la purification donc de l'âme. Alors il y a un hadith où le prophète Al-Salam dit qu'il y a dans le corps de l'homme une chair, si elle est bonne, tout le corps est bon, mais si cette chair est corrompue, tout le corps est corrompu, en parlant du cœur. Est-ce que quand on parle du cœur, est-ce que là ça rejoint aussi l'âme en quelque sorte, ou bien est-ce qu'il y a un lien entre le cœur de l'homme et son âme? Alhamdoulilah, merci. On constate qu'Abdoul Hakim, c'est un cher. Alhamdoulilah, qui était formé. Je suis votre élève. Merci beaucoup. Et j'allais venir vers là maintenant pour définir l'âme. D'accord. Et vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, définition simple pour que tout le monde puisse nous comprendre. L'âme, c'est notre réel. Le corps est l'enveloppe de l'âme. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha » Bonheur à celui qui purifie son âme et malheur à celui qui nuit son âme, et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, comme tu viens de le citer comme ça, « Ala inna fil jasad mudgha, idha saluhat saluha al jasad kullu, wa idha fasada fasada al jasad kullu » Il dit, la partie qui trouve en nous,
Et cette partie-là est bien éduquée, c'est bien, et tout notre corps, ça réjaillit sur tout notre corps. Mmh. Et il a orienté sa main vers son cœur, Allah wahi al-qalb. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est le cœur qui est l'âme? L'âme que nous parlons d'ici, c'est Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé dans Adam. Lorsqu'il a créé notre père Adam, mmh. Adam a fait plus de 45 ans sans âme. Mmh. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les anges. Et à la tête, ces jours-là, Iblis était là. Et c'était un djinn, il ne faisait pas parmi les anges. Mmh. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, j'ai créé Adam qui va être un représentant, mon représentant sur terre. Et je vais essouffler mon âme en lui. Lorsque je vais essouffler cette âme en lui, prosternez-vous à Adam. Et l'âme est venue, c'est pourquoi on va te dire dans la définition de l'âme que l'âme ne meurt pas, mais l'âme change de monde en monde. Donc, lorsque en islam, on voit que votre corps veut prendre le dessus sur votre âme, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des solutions pour affaiblir le corps, pour que la âme puisse s'agrandir. Donc, c'est pourquoi l'âme va se reposer. Tout ce qui va donner la force à l'âme mm-hmm. va se retrouver maintenant dans notre cœur. Mm-hmm. Que l'islam va illuminer notre cœur, mm-hmm. qui va jaillir maintenant sur le corps d'ensemble pour que l'âme puisse se retrouver. Mm-hmm. C'est pourquoi je disais tantôt dans mon introduction que tout excès nuit mm-hmm. à l'âme. Tout à fait. Parce que mm-hmm. tout ce que notre désir, quand on veut donner à notre corps à chaque fois, ça détruit notre âme. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il veut protéger notre âme, il nous a donné des adorations qui vont nous permettre mm-hmm. de développer notre âme. Mm-hmm. Vous voyez tout de suite là, si on en fait, on va manger. Mm-hmm. Mais la nourriture que nous mangeons là, c'est pour notre corps, exactement. C'est pas pour notre âme. Oui. Mais notre âme a besoin de nourriture aussi. Mm-hmm. Notre âme a besoin des adorations, des bons actes mm-hmm. pour pouvoir se développer. Mais lorsque votre corps est plus développé que votre âme, vous n'êtes plus un bon musulman. Alors, Imam, lorsqu'on prend conscience de cela, comment on sonde son âme? Est-ce qu'il y a possibilité de sonder son âme ou son cœur? Alhamdoulilah. C'est pourquoi j'ai dit chaque fois dans mes interventions que, façon, lorsque nous sommes malades, on part voir des médecins pour nous traiter. Il y a des spécialistes des yeux, il y a des spécialistes des gynécos, tout ça. Et l'âme aussi a des médecins comme ça en islam. C'est pourquoi il faut faire le recours vers le prophète alayhi salam pour pouvoir nous aider à faire grandir notre âme. Mm-hmm. Mais comme notre thème aujourd'hui, c'est lié avec le ramadan, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le ramadan pour pouvoir permettre notre âme de se développer. Mm-hmm. Parce que nous avons fait plus de 11 mois en termes de manger. La nourriture qui va détruire notre âme, qui va affaiblir notre âme. À chaque fois qu'on mange, tu veux dormir. À chaque fois que tu manges, et tu veux avoir des relations avec votre épouse. À chaque fois quand vous mangez, vous êtes vraiment dans... vous êtes toujours ici. Donc Dieu veut nous relever un peu, aller vers lui, pour nous dire, ce qui peut vraiment sauver votre âme, c'est de s'abstenir un peu de ce que votre corps vous demande, ou bien ce que votre nafs vous demande chaque fois de le faire. Mm-hmm. C'est pourquoi Allah s'en va nous demander, dans mon introduction, je vous ai dit tout de suite là, qu'il va nous demander de s'abstenir des choses qui sont licites pour nous, pour pouvoir laisser les illicites après le ramadan. Mm-hmm. Vous me comprenez bien, oui, la boisson qui est permise à vous. Si vous, mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de laisser ça dans la journée du ramadan, mm-hmm. votre époux, c'est pour vous dire un message que Allah subhanahu wa ta'ala donne à votre âme de se préserver mm-hmm. Contre ce qui est illicite après le jeûne ou après la rupture. Mm-hmm. Donc voici un peu ce qui fatigue notre âme dans notre vie quotidienne. Imam, de façon explicite, comment on nourrit son âme? Parce que tout à l'heure, vous avez dit on nourrit le corps. Mais comment on fait pour nourrir l'âme, surtout durant ce ramadan-là? Est-ce que c'est juste limité aux adorations? Et qu'est-ce qu'on doit faire d'exceptionnel pour nourrir notre âme? Alhamdulillah, Adja, lorsque un seul ramadan est reçu pour un musulman, votre âme est bien nourrie. Un seul ramadan dans votre vie. Et lorsque votre ramadan est reçu, wallahi, je vous garantis, avec nos frères et sœurs qui nous suivent en direct aujourd'hui, lorsque notre ramadan est reçu dans notre main, Dieu nous garantit le paradis. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le mois du jeûne est venu des routines pour nous. Nous sommes aujourd'hui dans la... On s'est retrouvés dans les familles musulmanes, je vais dire les familles djoula. Mm-hmm. Voilà, excusez-moi pour le thème. Mm-hmm. Et on a trouvé que chaque matin, on se réveille, on mange, et puis à la rupture, on doit aller acheter
ce que tout le monde connaît ici, on doit prendre un thé, tout. Donc le ramadan se limite à ça pour nous. Et pourtant le ramadan a une dimension spirituelle. C'est pourquoi le ramadan va nous aider, à nous donner des programmes pour qu'on puisse suivre ces programmes-là pour notre âme au cours de l'année. Tel que le ramadan va nous dire, si vous êtes dans le ramadan, vous avez respecté les prières obligatoires, c'est-à-dire c'est les obligations d'abord qu'on prend pour notre âme. Parce qu'on ne veut pas sauter les... C'est l'obligation, aller sur les obligations pour aller, nourrir notre âme. Donc Dieu, tu vois, on voit tout le monde aujourd'hui, on respecte les cinq prières quotidiennes dans les mosquées. Parce que nous sommes dans le ramadan. Tout à fait. Mais je vais poser une question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala voyage après le ramadan? Pas du tout. Non. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est là seulement, il prend congé après le ramadan et puis on doit l'adorer dans le ramadan? Non, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc si nous sommes dans le ramadan, et le ramadan n'est pas venu une routine dans notre main, donc nous devons pouvoir suivre à éduquer notre âme dans l'adoration. L'âme, ça nous, ce qu'on prend pour nourrir l'âme, c'est l'adoration. L'adoration, les obligations d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça c'est interdit en islam, vous devez faire l'effort de laisser ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça c'est très bon en islam, c'est les obligations, les cinq prières obligatoires, aller à la Mecque, la zakat, le mois du jeûne obligatoire. Lorsque nous faisons ça, nous commençons à éduquer notre âme doucement. Mais pour développer l'âme maintenant, pour nourrir l'âme maintenant sur le plan spirituel, lorsque vous respectez les obligations, vous allez vous pencher maintenant vers les actes obligatoires. Et c'est ce qui va vous différencier maintenant de votre, des autres fidèles musulmans ordinaires. D'accord. Parce que vous allez dépasser, vous allez devenir maintenant un musulman supérieur aux autres. Comment ça? Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, on prend l'exemple toujours, c'est notre modèle. Voilà. Lorsqu'il finissait le mois de Ramadan, sa vie était comment après Ramadan? Il jeûnait chaque lundi, il jeûnait chaque jeudi, il continuait les prières nocturnes durant les 360 jours de l'année. Il ne faisait pas seulement les 10 rakat le mois de Ramadan, mais lui continuait. C'était devenu, c'est-à-dire, c'est quotidien. Je crois qu'un jour, son épouse Aïcha radiallahu anha pose. Lui demande, elle s'est réveillée, elle a trouvé que le prophète était vraiment plongé dans l'adoration, dans les prières. Elle dit, oh mon époux, mais reposez-vous comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala vous a pardonné de ce que vous avez fait dans le passé, dans le présent. Allah vous a pardonné. Pourquoi vous vous fatiguez dans ça? Et le prophète, la réponse qu'il donne à son épouse, il dit, moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala pour dire merci à Dieu. Eh bien, on le sait, aujourd'hui au menu, nous avons de la dorade et des bananes plantain à l'ancienne avec nos deux chefs, chef Natchef Bafa, qu'on retrouve tout juste dans quelques secondes seulement. Ils sont tout juste là. Salam alaikum encore une fois. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Safiat Abdelhakim. Où est-ce qu'on en est? Alors, on est en train de faire cuire les alokos. Et chef Bafa s'occupe de la dorade. Alors, avant d'aller sur la dorade, on va vous montrer quelle coloration l'huile d'ylang donne à nos alokos. Alors, donc, je suis pressé de voir ça. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que l'huile d'ylang donne une coloration parfaite à nos alokos? On te croit, absolument. Si c'est toi qui le dis, on te croit, c'est sûr. Mais c'est beau à voir ça. Alors, je suis sûr que ça va donner l'envie à beaucoup de personnes d'avoir ça à la rupture. C'est ça. Mais heureusement, on l'a déjà, en vrai, cette fois-ci. On a de très bons partenaires aussi. Il faut signifier que l'huile du Nord fait partie de nos partenaires. Ouais. C'est ça, Sanya. Tout à fait. Alors, l'aloco à l'ancienne, justement, chef Bafa m'expliquait que ça vient de la manière de découper les alocos. Donc, vous avez pu voir comment est-ce qu'il a coupé de manière transversale, on va dire, les bananes pour donner cette allure-là à nos alocos. Et là, en ce moment, il s'occupe de la dorade. Chef Bafa, c'est quoi le nom déjà? J'oublie toujours ce nom-là. Pajot. Le Pajot de dorade. Oui. Donc, il va nous expliquer comment est-ce qu'il fait pour avoir l'éventail de dorade qu'il est en train de faire. Chef Bafa, à vous le micro. Oui, en fait, c'est un filet. Il faut enlever les arêtes au niveau du dos, laisser sous forme d'éventail, sans couper la queue. Sans couper la queue? Oui, oui. D'accord. Donc, voilà. Il faut impérativement laisser la queue. Voilà, impérativement laisser la queue. OK. Et retirer les arêtes, tu sais qu'il y a comme un arêt dedans. Voilà. Et ça demande une dextérité, hein, je peux le voir. Effectivement, une technique. D'accord. Est-ce que c'est un exercice difficile? Apparemment.
Moi, j'ai l'impression que c'est difficile. Je bafa. C'est difficile ou pas? Le papouin d'Esther, c'est difficile. Ça demande une technique. C'est ça. Il faut le droit des professionnels d'un chef. Effectivement. Il faut savoir que chef bafa, c'est quand même 20 ans d'expérience. Donc, c'est pas rien quand même. C'est énorme, ça. Et chef bafa, j'ai envie de savoir combien est-ce que de dorades il faut pour une famille, on va dire, de 5 personnes. Actuellement, ce sont des petites dorades. Donc, au moins, c'est un poisson par personne. Voilà. Un poisson par personne. Donc, 5 dorades pour une famille de 5 personnes. 7, voilà. D'accord. Et combien de temps? La cuisson, ça dépend, ça peut prendre 5 minutes chaque côté. Voilà. Ça dépend du haut de feu, si c'est un feu moyen ou le feu est grand. Mm-hmm. Je vous conseille d'aller à feu doux, feu moyen, doucement, doucement, ça cuit bien. Si vous voulez, vous pouvez gratiner un peu au feu, comment on appelle, au four. Mm-hmm. Voilà, avant de servir. Avant de servir. D'accord. Donc, pour la recette totale, on aura besoin d'environ, on va dire, une trentaine de minutes, Heure. Voilà, trentaine de minutes. Surtout, c'est la loco qui prend plus de temps. D'accord. Voilà. Le poisson, c'est facile. Le poisson, c'est rapide. Ok. Voilà, on a essayé, il suffit de saler, poivrer, fariner, voilà, frire les deux côtés. Voilà. D'accord. Ça passe là, on a déjà fait la pâte. C'est oignon, échalote, piment. C'est une pâte. Alors, la pâte à loco, je pense que chaque famille a sa recette. Tout le monde sait le faire, voilà. D'accord. Okay. Ça, c'est une tradition. Encore du voie ici. Abdoulakim Safiad, j'espère que vous avez pris note. Oui, on se retrouve tout juste dans quelques minutes. On est satisfait du menu, en tout cas, qui est prévu ce soir. Et on assure que notre invité également va savourer avec nous ce qui est préparé par nos deux chefs. À tout à l'heure, Inch'Allah. À tout à l'heure. On a hâte de voir la finition. Abdoulakim Odoloué, il y avait une question en suspens. Oui, justement, une question sur la purification. Est-ce qu'il est facile, on va dire, de purifier notre âme? C'est vrai qu'Allah ne regarde pas nos apparences, mais plutôt notre intérieur. Mais je me pose la question de savoir une personne qui n'arrive pas à soigner son apparence, à se purifier de façon sérieuse, est-ce qu'elle peut véritablement purifier son intérieur, son âme? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des outils pour permettre de nous purifier intérieurement. Et parmi ces outils, là, il y a le Ramadan dedans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai prescrit le jeûne sur vous. Et comme je l'ai prescrit sur des oumas qui vous ont précédé, pour que vous atteigniez la piété. Hein? Donc, tout ce que Dieu nous demande de le faire nous aide à nous purifier. Mais souvent, vous savez, l'âme a des étapes. Première étape de l'âme, on appelle ça un nafsul amara bisou. L'âme qui pousse son corps à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme qui a une tendance au mal. Oui, tendance au mal. Mm-hmm. Et à chaque fois quand il pose des actes qui sont illicites, il est fier de lui. Et il en parle souvent. Il dit même que ce qu'il fait, c'est normal. Et lorsque vous, un musulman, tu te sens comme ça, vous êtes malade. Votre âme est touchée. Donc, pour pouvoir décoller votre âme de cette étape-là, c'est donner à des zikr, comme astaghfirullah, al-istighfar. C'est de toujours demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la repentance. À chaque fois que vous êtes dans cette démarche-là, vous allez voir votre âme va se décoller à venir à deuxième étape. Et deuxième étape, c'est quoi? Lorsque vous posez quelque chose qui n'est pas bien, vous allez ressentir automatiquement que vous regrettez. Il y a un regret. Malgré vous. On va vers la guérison. À la guérison. On va vers la guérison comme ça. Mais en même temps, vous êtes toujours dans ça. Mais ça, ce qui vous différencie de la première personne, vous, il y a le regret. Et vous demandez le pardon après. Donc, à chaque fois que vous êtes dans l'adoration, vous franchissez les pas vers la perfection. On ne peut pas être parfait à 100%. Parce que l'homme parfait, c'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mais nous pouvons aller vers la perfection. Exactement. Donc c'est pourquoi je demande à mes soeurs ici, ceux qui nous regardent, les frères et soeurs aussi qui nous suivent en direct, de toujours prendre quelque chose comme adoration, dans la discrétion totale. Parce que lorsque vous gênez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait que vous gênez. Ah oui. Ou bien. Oui. Mm-hmm. Et même si une femme en état de menstruer, si elle ne gêne pas, on ne peut pas savoir qu'elle ne gêne pas. Ah oui. Donc c'est l'adoration, c'est le plus discret. Mm-hmm. Donc, lorsque on sort dans le Ramadan, nous devons choisir, on doit pouvoir choisir, c'est-à-dire des actes, c'est-à-dire individuellement, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit nous permettre de décoller notre âme vraiment
âmes qui posent toujours mal. On peut en citer. On peut en citer des adorations, ouais, telles que ce que le Ramadan nous donne, par exemple. Le Ramadan nous donne les prières nocturnes, ouais, les 8 rakat. En principe, les 8 rakat ou bien les 10 rakat qu'on fait après les salat de Tarawih, nous devons pouvoir les continuer après le Ramadan. Ça va nous permettre. Vous voyez, dans le Ramadan, là, qui d'entre nous pense ici a fait le mal? Personne. Ouais. Parce que nous sommes plongés dans l'adoration. Oui. Donc à chaque fois que nous sommes détachés de l'adoration, le Satan vient prendre sa place. Donc il faut toujours rester dans la prière. Ça c'est un. De deux, il faut toujours faire remuer la langue avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un compagnon qui est venu demander conseil au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit au prophète, donne-moi conseil. Qu'est-ce que je peux faire régulièrement qui va me permettre d'être avec vous au paradis, Jannatul Firdaus. Je pense que moi et l'équipe de Avant Al-Iftar, notre souhait c'est d'être avec effectivement, le prophète. Effectivement, tout à fait. Même et si on n'a pas fait une émission avec le prophète, mais en même temps, c'est être avec le prophète dans Jannatul Firdaus. Ah, tout à fait. Et le prophète dit à son compagnon, n'arrête jamais ta langue dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut transformer ta vie en une adoration. Tout ce que vous allez poser comme acte dans votre vie, que ce soit votre acte professionnel, que ce soit votre acte de désir, vous devez purifier votre intention pour que votre acte-là devienne automatiquement une adoration. D'accord. Alors, vous entendez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être un musulman superficiel. Non, non, non. Vous faites un musulman, on va dire, spirituel. Spirituel. Mariam ? Non, je voulais dire que tout ce que l'imam est en train de dire revient à dire que la spiritualité joue une place très importante dans la purification de l'âme. Effectivement. À chaque fois que nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans la spiritualité. Les gens pensent que la spiritualité, c'est une autre forme d'adoration. Non. Lorsque vous posez des actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est pourquoi on dit en arabe, lorsqu'on définit l'adoration, al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Lorsque vous venez travailler à l'Anjou al-Bayan et que vous avez purifié votre intention pour dire « Moi, je vais travailler à l'Anjou al-Bayan. Certes, j'ai un salaire chaque fin du mois, mais je fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Et tout ce que vous faites dans votre travail devient, c'est des actes spirituels pour votre âme. Mais si moi je viens sur ce plateau ici, pour dire non, c'est Imam Mohamed Diarra qui est l'invité d'aujourd'hui, je vais être filmé, je vais être suivi par tout le monde aujourd'hui dans le monde entier, c'est mon intention, mais je n'ai pas posé d'acte spirituel. J'accepte l'invitation pour pouvoir venir transmettre le savoir, le peu de savoir que Dieu m'a donné pour permettre à mes frères et soeurs pour vraiment combattre le Satan. Si c'est mon intention, alhamdoulilah, je pose des actes spirituels. Donc la spiritualité, ce n'est pas chaque fois d'être avec le chapelet, mais la spiritualité, c'est notre vie quotidienne. Nous l'avons dit, nous recevons avec beaucoup de plaisir la communauté musulmane de la mosquée Al-Moubarak d'Abou Bandado avec son guide spirituel, le cheikh l'imam Mohamed Diarra. Tout de suite, nous allons donc présenter cette sympathique communauté qui fait la fierté de la commune parce qu'on voit tout ce qu'elle fait, on sait tout ce qu'elle fait également pour accompagner ses fidèles. Et celui qui va parler au nom donc du comité de gestion de la mosquée, c'est Traoré Mohamed. Salam alaikum. C'est un plaisir de vous retrouver également. Alhamdoulilah, plaisir de vous retrouver aussi pour moi. Alors, comment supporte la communauté de la mosquée Moubarak? Ben, elle va très bien, alhamdoulilah, à l'image de cette vaillante cohorte de fidèles qui nous a suivis pour venir accompagner l'imam sur ce plateau. Pour vous dire que la mosquée se réjouit en tout cas de l'honneur fait à toute la communauté par le choix de l'imam comme invité spécial aujourd'hui pour votre émission. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier pendant ce Ramadan pour l'accompagnement, on va dire, spirituel des fidèles? Alors, on ne va pas dire quelque chose de spécial parce que nous essayons autant que faire se peut de divulguer les enseignements par les imams auprès des fidèles. Et cela, les imams font preuve de beaucoup d'efforts depuis le début de Ramadan. Cela se poursuit. Et nous, en tant que comité de gestion, notre rôle, c'est de bien vouloir accompagner cela, être l'interface entre le conseil des imams et la communauté elle-même en suscitant des activités qui pourraient, en plus des discours religieux tenus par les imams, orienter vers les fidèles. L'une d'entre elles, c'est celle qu'on va tenir, Inch'Allah, ce dimanche, dénommée « Inspire-toi de mon parcours », qui est une plateforme d'échange, une sorte de masterclass où nous mettons face à la jeunesse musulmane d'Abou Bouanador un modèle de réussite dans la société qui vient nous expliquer son parcours
les tenants et les aboutissants, ce par quoi il est passé pour pouvoir vraiment être aujourd'hui au sommet de son art. Donc ce dimanche, ce sera l'occasion avec notre invité spécial, Cheikh Lansina Bamba, qui est le directeur des ressources humaines du ministère des Finances et du Budget, qui viendra cette année parler de comment intégrer et réussir dans la fonction publique pour les jeunes musulmans, Inch'Allah. D'accord, c'est très important. Et pour cette dernière décade de Ramadan, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui a déjà commencé pour les fidèles? Alors, nous tendons vers, je parle bien sûr sous le contrôle de l'imam principal, nous tendons vers vraiment la lecture intégrale du Saint-Coran qui a démarré depuis le premier jour du mois de Ramadan. Nous, on commence depuis la première nuit de Tarawih avec tous les imams mobilisés. Et bientôt, dans, je crois, dans deux ou trois jours... Il y a des grands lecteurs dans la communauté de la mosquée Moubarak. Il y a mon nom parmi ces lecteurs, Abdoulakim. Imam Abdoulakim Diarra, qui en tout cas nous gratifie toujours de sa très belle voix. Et il y en a aussi tant d'autres parmi tous. Donc bientôt, ce sera bien sûr la lecture intégrale du Saint-Coran. Il y a aussi le tafsir aussi qui prendra fin dès le dernier jour du mois de Ramadan aussi. Inch'Allah. L'activité inspecteur de mon parcours. Donc autant d'activités. D'accord. Inch'Allah. En tout cas, merci à la belle communauté de la mosquée Mourak d'être venue en train de prendre part à cette émission à l'Olvita. Il faut également noter que l'imam principal, l'imam Cheikh Mohamed Diarra, est aussi un grand lecteur. Une voix mélodieuse. Hein. J'ai beaucoup de chance de l'écouter souvent. Tout à fait. Inch'Allah. Merci Mohamed Traoré. Je vous en prie. On va suivre à présent Ramadan Quiz. On revient juste après. Chers téléspectateurs d'Albayan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes à votre émission Quiz du Ramadan. Pour ce numéro, nous sommes à Daloa, dans la belle cité des Antilopes. La question du jour est, quand faut-il donner la zakat el-fitr? Pour en savoir plus, suivez-moi. La zakat el-fitr, les savants disent qu'on peut la donner 3 jours avant le jour de l'Eid, c'est-à-dire à partir du 27e jour jusqu'à la veille de l'aide, on peut donner la zakat fit. Mais il faut s'arranger à donner cette zakat avant la période de l'aide. Bon, avant cette période, pour que vraiment, ceux qui en ont besoin puissent aller peut-être en prière avec la joie. Puissent aller en prière avec la joie. Le jour de la fête, tout le monde doit être heureux. Bon, pour moi, pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de jour précis. Tu peux le donner à chaque moment aux personnes que tu veux. Pour moi, même le plus propice aux démunis. Mais le jour aussi important, on peut donner ça le jour de la lune du destin. D'abord, son galo yere o kalo baye folo. Donc jata fidi na fami mbala ani boku mbala ana bon kanga bo wati minuna don ba yo mi fo de ika boka kon seli kene boligne. Il se ka bo yani seli kene te les saba nyona ou bien les nan ka kon seli don yere parce que ya boku yo munde ka di fantando ma pour que abese ka na fanaye abese ka c'est l'ifino sanae ou bien abese ka kore kenae. Bon, la zakat fitr, le meilleur moment c'est le matin avant d'aller à la prière. Donc le matin, le jour de la fête, avant d'aller à la prière, c'est le meilleur moment. Mais on peut faire ça un jour avant, ou bien si on n'a pas les moyens, on peut faire ça après la prière, 2 jours après même. La zakat, on doit donner la zakat le jour de la fête, le lendemain, genre, le jour même de la fête du Ramadan. Quand on dit demain est la fête, vous apprêtez la zakat le lendemain, le jour même avant la prière, vous donnez la zakat avant de commencer la prière. Nos savants nous ont dit, à partir du moment où on doit partir à la prière, on a tout fait pour donner la zakat d'ici l'heure de la prière. C'est ce que nos savants nous ont dit. Alhamdulillah, la zakat fitr, on peut donner la zakat fitr dès l'apparition de la lune qui marque la fin du jeûne de Ramadan, ou soit même dans la matinée, et avant l'heure de la prière, et de la prière de la fête de Ramadan, Inch'Allah. La zakat fitr vient parfaire notre jeûne et conclure tout ce qu'on a fait comme adoration. Bon, la zakat fitr, bon, moi je pense bien, c'est à partir du 27 du mois de carême, bon, de là jusqu'à le matin
on appelle ça comment même, la fête, jusqu'à le matin, avant la prière de la fête. À partir du 27e jour, jusqu'en le 30, la Zakat Fitr, bon, c'est pour soutenir tes frères musulmans, pour que vous tous vous allez en joie aussi, pour pouvoir fêter ensemble. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers téléspectateurs d'Al-Bayan, nous sommes au thème de ce numéro de quiz du Ramadan. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien voilà donc la question qui a été posée aux habitants de Dalwa. Quelle est la période au cours de laquelle il faut s'acquitter de la Zakat al-Fitr? Notre invité va répondre à la question, Imam Mohamed Yaradou. Déjà, c'est quoi d'abord la Zakat al-Fitr? La Zakat al-Fitr, le prophète Ali Sattar nous dit, c'est le monde, comment on appelle ça, de la rupture. C'est-à-dire on s'acquitte à cette Zakat-là pour montrer la fin du Ramadan. Donc, dans notre école juridique, qui est l'école de l'imam Malik, rahimahullah, la Zakat al-Fitr, on doit s'acquitter 3 jours avant la fête. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut commencer à partir du 27e jour du Ramadan, jusqu'à le matin de la fête, mais pas après la prière de l'Aïd al-Fitr. La personne qui s'acquitte de sa Zakat après la prière de l'Aïd al-Fitr, vraiment, ça rentre dans le cadre des sacrifices, mais pas la Zakat al-Fitr. Je voulais interpeller les mosquées et les comités de gestion, parce que j'ai des personnes qui viennent donner la Zakat al-Fitr dans les mosquées. Tout à fait, donc, ça a la responsabilité de partager sans avant la prière de l'Aïd al-Fitr. Ça, c'est bien dit. Alors, ça veut dire que si moi je donne ma Zakat à une mosquée, ma Zakat al-Fitr, il faut s'acquitter à ça. Si tu ne peux pas dire à la personne que non, il n'a qu'à aller donner à quelqu'un. Parce que si ça, on ne partage pas sans avant la prière, ça ne rentre pas dans le cadre de la Zakat al-Fitr. Alors, c'est que moi je donne à la mosquée. Oui, mais et ils ont gardé. Ouais, c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Mais moi, je sais comment il y a pour moi. Non, tu as donné pour toi. Donc, on va revenir à toi, maman, pour vraiment. D'accord, pour que ça soit activé rapidement. Activé rapidement quoi. Merci, pour partager ça vraiment à des personnes destinées, Inch'Allah. D'accord, c'est important en tout cas. Voilà, merci de suivre Alain Vita. Nous allons vous proposer le premier Instinct Vita. Et juste après, on se retrouve à Inch'Allah. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, chers téléspectateurs d'Al-Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci de suivre l'Instant Iftar à Dalwa. Et aujourd'hui, nous sommes reçus par la famille Doumia. Allons-y à la rencontre de M. Doumia. Merci à Hassan Kemarati depuis donc Dalwa pour ce Instant Iftar. Il était bien sûr reçu par la famille Doumia, qui nous disons infiniment merci. On revient sur le plateau dans l'Iftar. Mariam Sidibé. Oui, Imam, généralement, on parle de jalousie, de colportage, d'égoïsme comme maladie de l'âme. Est-ce que c'est vrai que l'âme a vraiment des maladies? Effectivement, l'âme a des maladies, on va dire même des maladies graves, qui détruisent l'âme, qui détruisent même la personne qui porte l'âme. Mais la maladie même qui engendre toutes ces maladies-là, c'est de voir son moi. Lorsque vous êtes focalisé sur votre moi. L'égoïsme. L'égoïsme. C'est ce qui engendre toutes ces maladies-là. C'est pourquoi le Satan, il s'est focalisé sur son moi. Et ça a engendré l'égoïsme et l'hypocrisie envers Adam, alayhi salatu wa salam. Et donc, c'est la maladie, c'est les maladies même, les kaba. C'est ce qu'on veut dire, c'est où les maladies font les tawaf en l'homme, c'est l'égoïsme. Donc, c'est pourquoi nous devons chercher à soigner cela. C'est de ne pas voir son moi. C'est de ne pas dire non, moi je suis comme ça. Je suis tant. Lorsque vous restez dans ça, vous oubliez qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et quand vous oubliez qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, et vous, si vous voyez quelqu'un d'autre en face de vous qui a des dons ou qui a des mérites ou qui a des talents, des faveurs, et vous allez, votre acte va montrer à Dieu qu'il n'a pas été juste. C'est que Abdelhakim Odrougué a. C'est-à-dire Al-Hajj, je vais dire Al-Hajj ou Mufti, qui est là, que moi je n'ai pas. Donc je suis en train de dire à Dieu qu'il n'a pas été juste dans ses partages. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où et ce qu'il donne à qui. Il sait il faut placer qui à la place qu'il faut. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui partage dans notre vie ce qu'on mérite. Donc c'est de soigner cette maladie-là, c'est-à-dire l'égoïsme.
l'hypocrisie. Donc c'est la maladie de l'âme qui est vraiment détruite l'âme. Mais est-ce que l'orgueil fait partie des maladies de l'âme? Oui, l'orgueil fait partie des maladies de l'âme. Et on va dire même, c'est parmi des maladies même qui détruisent l'âme aussi. Donc qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc pour pouvoir soigner ces maladies-là, il y a une invocation que je vais donner. D'accord. Alhamdulillah, le prophète alayhi wa sallam nous dit, la personne qui récite cette évocation-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te soigner de ces maladies-là. Je ne vais pas donner tel nombre de fois il faut faire, mais Allah, le prophète nous dit de réciter plusieurs fois Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ça veut dire quoi? Allah, j'implore ton pardon pour mes frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et les frères et sœurs qui sont parmi nous aujourd'hui, il faut les pardonner. Vous voyez, Adja, lorsque vous êtes seul sur votre tapis, et puis vous prenez, voilà, Amina, et vous prenez le nom de ma sœur, comment elle Safiyat. S'appelle Safiyat, à son absence, elle ne vous a pas demandé de prier pour elle. Et vous prenez sur votre intention seule, devant Allah subhanahu wa ta'ala, prier pour Safiyat, vous allez voir tout ce que Safiyat va voir dans sa vie, comme... comme grâce. C'est-à-dire de bienfaits, l'évolution, ça ne va pas vous gêner. C'est pourquoi le spirituel nous dit chaque fois de prier derrière ses frères et sœurs. Mm-hmm. Lorsque tu, moi, je prie derrière, à l'absence d'Abdulhakim, Al-Hajj Abdulhakim, pour dire Allah, je demande, il faut pardonner Abdulhakim, il faut faire prospérer ses affaires. Vous allez voir, lorsqu'ils vont me dire qu'Abdulhakim doit être dans l'avenir ministre de la communication, Amina. Je ne vais pas me plaindre. Amine. Non, okay. Est-ce que je vais être jaloux de ça? Non. Pas du tout. Donc c'est une invocation qui guérit, qui soigne les maladies. Qui purifie l'âme de la jalousie et de l'envie. Voilà, qui purifie l'âme de la jalousie. D'accord. Allah nous éloigne de ces maladies, Inch'Allah. Imam, de façon quotidienne, comment est-ce qu'on peut procéder pour cette purification interne, c'est-à-dire dans nos faits et gestes de tous les jours? Lorsqu'on vient accomplir la salat, on a conscience qu'on doit se discipliner, qu'on doit être concentré. Mais lorsqu'on travaille, lorsqu'on marche dans la rue, de manière naturelle, je veux dire, par quel procédé on peut purifier son âme? Pour être toujours dans la purification de l'âme, c'est de toujours soigner votre intention. C'est de purifier votre intention. « Innama al-a'malu bin niyyat ». Lorsque le prophète salam, a fait son immigration à Médine, il a demandé à des compagnons pour les rejoindre là-bas. Et il y a des compagnons qui sont restés à la Mecque, ils ne sont pas venus. Et il y a un compagnon, il y a une dame qui était à la Mecque qui s'appelle Oumou Qais. Oumou Qais, c'était une très belle dame. Donc il y avait un monsieur, un compagnon qui voulait épouser Oumou Qais. Donc lui, il n'est pas immigré, il est resté à la Mecque. Les autres compagnons sont partis. Et le jour où il a appris que Oumou Qais a fait son immigration, aller vers le prophète, ce compagnon-là aussi a fait son immigration, aller vers le prophète. Bon, le prophète, lorsque le prophète l'a vu venir à Médine, le prophète a dit, « فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. » Il dit, la personne qui fait son immigration à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à votre question, c'est-à-dire être, c'est-à-dire permanemment, c'est-à-dire avec, pour soigner votre âme. Je vous ai dit tantôt de soigner votre intention. Intention. Il dit, la personne qui a fait son immigration aller vers Médine pour Allah et son prophète, la récompense sera Allah et le prophète. Mm-hmm. Mais des personnes qui ont fait l'immigration à cause d'une femme, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre d'épouser cette dernière-là. Mm-hmm. Donc, il n'a pas de mérite dans le délai. Est-ce que vous êtes satisfait de votre réponse? Oui, donc, pour dire, voilà, donc, pour dire, pour rester en contact permanent avec votre âme, pour soigner votre âme, c'est de soigner votre intention. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans le Zoulin Shaitan Azim, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةَ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé quelque chose. Mm-hmm. Les faits dans la religion musulmane, c'est de purifier notre intention dans l'adoration, dans notre activité quotidienne. Et c'est ce qui, c'est lorsque vous purifiez votre intention, votre islamité ou l'islam, votre foi se repose sur votre intention. Pour dire, tout ce qu'on fait dans notre vie, nous devons purifier l'intention. Mm-hmm. Et c'est ce qui va aider à purifier notre âme.
D'accord. Alors, il est important dans votre enseignement, la purification de l'âme est essentielle, mais pour une personne qui n'arrive pas à avoir l'équilibre entre nourrir son âme et nourrir son corps. Vous avez dit quand on nourrit trop son corps, on va étouffer un peu l'âme. Et quand on nourrit trop son âme, est-ce qu'on risque pas également d'affecter, de détruire son corps? Effectivement, nous sommes des musulmans de juste milieu. D'accord. Voilà, c'est pourquoi il y a trois compagnons qui sont venus voir le prophète. Il y a un des compagnons qui dit au prophète, moi tellement que j'ai aimé Dieu, je ne vais plus manger dans ma vie. Je vais faire toute ma vie en train de jeûner. Et le deuxième compagnon dit, le prophète, oh le prophète, moi j'ai tellement aimé Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais plus me marier, je vais rester célibataire jusqu'à ma mort. La troisième personne dit, j'ai aimé Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais plus dormir la nuit. Donc le prophète était un pédagogue. Qu'est-ce qu'il dit? La réponse qu'il donne, il dit quoi? Moi, je suis le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je jeûne souvent, je mange souvent. Je me marie, j'ai des époux, j'ai des enfants. Je dors une partie de la nuit et je prends une partie de la nuit aussi pour prier. Pour dire notre vie est dans le juste milieu. C'est pourquoi le prophète nous dit dans un hadith authentique, nous sommes une communauté qui ne mange pas parce qu'il faut manger. Nous mangeons lorsqu'on a faim. Qui nous en préserve. Vous allez voir la rupture tout de suite là. Il y a des personnes qui vont manger, même pour aller prier, la prière des Maghrib, c'est un problème pour eux. J'en connais des exemples. Il y a beaucoup ces personnes. On ne va pas les citer comme le dit. Comme dit, on ne cite pas ses contemporains. Merci pour cette explication. On va permettre à nos téléspectateurs de suivre notre second Insefta et on se dirige à Gagnoua. On comprend mieux maintenant pourquoi le jeûne n'a pas trop d'impact à suivre Camara Nansini depuis Gagnoua. Ces instants iftar se passent en tout cas très très bien, n'est-ce pas, Rémi Sidibé? Les hommes de l'intérieur, en tout cas, à instant iftar de cette année-là. En tout cas, merci. En tout cas, merci donc à la famille Silla qui a bien reçu donc notre correspondant, Camara Nansini, donc dans le cadre de cette rubrique instant iftar. Nous sommes avec notre invité, l'imam Mohamed Diarra de la mosquée Al-Moubarak d'Abou Anadou, avec qui nous allons conclure nos échanges sur la question du ramadan et de la purification de l'âme. Imam, qu'est-ce qu'on doit retenir pour que nous puissions garder, on va dire, cet état de pureté de notre âme, même en dehors du ramadan? Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Étant donné que nous sommes dans le ramadan, nous allons conclure avec le mois du ramadan. J'aime dire comme ça dans mes interventions, dans mes pensées, c'est à moi celui-là, dans mes recherches. Il dit, lorsque une femme donne la naissance à un enfant, c'est à partir du 9e mois de sa grossesse, si je ne me trompe pas. Normalement, ils sont sur le plateau. Donc, le mois du ramadan est le 9e mois de notre calendrier musulman. Donc, on va dire comme ça, le mois du ramadan, c'est la renaissance de la communauté musulmane à nouveau. C'est de retrouver un musulman sans péché. Un musulman qui va sortir dans ce mois béni avec l'amour du Coran. Un musulman qui va sortir dans ce mois béni avec l'amour de la prière. Un musulman qui va sortir dans ce mois béni avec l'amour de s'abstenir contre les illicites. Un musulman qui va sortir dans ce mois béni en se concentrant à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer le ramadan prochain. C'est pourquoi As-Salaf Salih, ceux qui nous ont précédés, les ulamas, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et leur année était consacrée pour le ramadan. C'est-à-dire, avant le ramadan, 6 mois, ils faisaient de l'adoration, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de leur montrer le ramadan qui vient. Et lorsqu'ils finissent de jeûner le mois de ramadan, ils font 6 mois encore en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce qu'ils ont fait dans le ramadan comme adoration. D'accord. Et vous voyez, vous allez rester connecté sur le plan vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala et établir votre relation horizontale pour ne pas désobéir Allah subhanahu wa ta'ala avec votre corps. Et c'est ce qu'on peut donner comme résumé pour purifier notre âme après le mois du ramadan. Merci Imam Mohamed Diarra de la mosquée Al-Moubarak d'Abou Anadou. On va tout de suite donc passer
à la dernière étape de saveur, n'est-ce pas, Safi? Et nous aussi ici, on ne doute pas en tout cas du délice que nous présentent nos chefs. Chef Fnad, Chef Bafa, salam alaikum encore une fois. Malakou, salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue en studio. Merci. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Alors, voilà présenter notre Chef Bafa. Oui. Aidez-moi avec le nom. Oui, Pajot. Pajot Dorad. Et la loco à l'ancienne. Accompagné de la loco à l'ancienne. Donc, comme j'expliquais, la loco à l'ancienne, c'est simplement par la manière de découper. Et on a une petite astuce, justement, pour les alocos. C'est que quand vous finissez de les faire cuire avec de l'huile d'inor pour enlever l'excès d'huile qui n'est pas forcément bon pour la santé, il suffit simplement de les mettre sur du papier absorbant et votre aloco sera bon à être consommé. Voilà. Et aussi, on mise sur la présentation, parce que la présentation ouvre l'appétit, n'est-ce pas? Tout exactement. On mange d'abord avec les yeux, comme on le confirme. Dit. Exactement. Et les gens de la régie aussi sont d'accord avec ça. Alors, donc on attend que l'heure de l'iftar pour pouvoir déguster le plat. Et nous ici, nous sommes à quelques secondes de l'iftar seulement, Abdoulaye Modoloé. Exactement, parce que c'est avant 6, la rupture aussi à Abidjan. On va souhaiter bonne rupture à tout le monde, tout en disant merci à l'imam Mohamed Dara. Merci donc à moi, à Chef Nat et Chef Bafa, Madame Sidibé et sa fille. Bonne rupture à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.